Ici la voix, à tous les habitants. La voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Un événement sans précédent a eu lieu au sein de la Maison des Secrets. Un habitant n'a pas respecté les règles du Secret Story et a menti à la voix sur l'intitulé exact de son secret. Cet habitant, c'est Charisma. C'est moi. Charisma, en mentant sur l'intitulé de ton secret, tu perds ton secret et l'intégralité de ta cagnotte. Mais ce n'est pas tout. Ton sort est désormais entre les mains des autres habitants. Ce sont eux qui décideront si tu mérites ou pas de continuer l'aventure. Si la majorité des candidats souhaitent te voir rester dans la maison, tu continueras l'aventure. Sinon, tu quitteras définitivement la Maison des Secrets. D'accord. Charisma, il est temps de révéler ton secret aux habitants. C'est toi. On va jamais expliquer. En fait, quand j'avais 12 ans, je rentrais de l'école et ma maman, elle m'a avoué quelque chose. En fait, moi, j'ai une sœur jumelle qui habite à l'autre bout du monde. Donc en fait, elle habite au Népal. Donc ça fait qu'on a été séparés. On a été séparés à la naissance. Donc... Oh, reviens. Donc en fait, moi j'ai une sœur jumelle que je connais pas du tout. Mais du tout. Et en fait, mon intitulé du secret... Merci. Mon intitulé de mon secret, c'était je n'ai jamais rencontré ma sœur jumelle. Sauf qu'il y a 2 ans, j'ai été faire une visite au Népal. Donc je l'ai vue. En gros, ma sœur, je l'ai vue... Allez, à tout casser, je l'ai vu 4 fois, même pas 3 heures. Donc ça fait que j'ai même pas vu ma sœur 24 heures dans ma vie. Et en fait, si vous voulez, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un tremblement de terre au Népal. Pleurer. Il y a eu un tremblement de terre au Népal et c'est à partir de là que j'ai pris la décision, moi, de me bouger le cul. Parce que mes parents, ils m'ont fait le plus beau cadeau du monde. Mes parents biologiques, ils m'ont fait le plus beau cadeau du monde en voulant me faire adopter. Parce que moi, j'ai cette chance que malheureusement, ma sœur n'a pas pu avoir. Il y a des jumeaux en France, même dans tout le monde, qu'on voit. Et ben, ils s'habillent pareil, ils font plein de choses. Moi, j'ai pas eu cette chance avec ma sœur. J'ai pas pu jouer avec elle. On n'a pas pu s'habiller, on n'a pas pu jouer aux poupées. Donc en fait... Moi, j'ai une partie de moi qui n'est pas là. Donc voilà, c'est ça mon secret. Je suis vraiment désolée, la voix, de vous avoir menti. Parce que pour moi, c'était même pas... Je ne m'en rendais même pas forcément compte. Parce que moi, je n'ai pas vu ma sœur, je n'ai pas eu la chance. Donc je suis désolée à la voix, je suis désolée à vous de vous avoir menti. Et je suis désolée à tout le monde. À tout le monde.